Plus de 61 630 millions de francs CFA, c'est le budget mobilisé par le ministère en charge de l'agriculture burkinabé pour venir en aide aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Ce plan de réponse 2018 fait suite au déficit céréalier enregistré au cours de la campagne agricole 2017-2018. Selon le ministère, environ 2 862 600 personnes ont été touchées par les actions du plan de réponse. Le volet assistance alimentaire a concerné la vente de céréales à prix subventionné aux personnes vulnérables. Il a été financé à hauteur de 52 818 563 292 francs CFA, soit un taux de financement de 86,2%. Le taux de réalisation est principalement supporté par les opérations de distribution gratuite de vivres. On a enregistré également l'ouverture de 250 points de vente de céréales aux personnes vulnérables dans lesquelles ont été vendues 95 tonnes de céréales à prix subventionné à 6 000 francs le sac de 50 kilos. L'appui à la résilience a consisté en des aides à la production pour un montant de plus de 5 950 millions de francs CFA, soit 48,43% de la mobilisation des ressources. La moisson a également été bonne côté production céréalière pour la campagne 2017-2018, estimée à 4 953 257 tonnes, soit une hausse de 21,91% comparativement à la campagne précédente. 1 784 696 tonnes de maïs, soit une hausse de 16,39% par rapport à la production de la campagne précédente. 334 744 tonnes de riz, en hausse de 2,82% par rapport à la production de la campagne précédente. Par rapport à la moyenne des 5 dernières années, on enregistre une quasi-stabilité, c'est-à-dire 0,86%. La production des autres cultures vivrières est estimée à 937 448 tonnes, soit une augmentation de 30,67% comparée à la campagne passée. En tenant compte du solde import-export, ce bilan prévisionnel fait ressortir un excédent net de 761 919 tonnes, dégageant un disponible apparent de 240 kg par habitant. Pour atteindre ces résultats, le gouvernement burkinabé a mis à la disposition des producteurs à prix subventionné 16 tonnes d'engrais et 27 400 unités d'équipement agricole. Au titre des défis, il entend atteindre 5 800 000 tonnes de céréales et 1 700 462 tonnes de culture de rente la prochaine campagne agricole.